It's that Zep, Stoop, Bo, no, Shima, Flow. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. Dernièrement, on a obtenu les mineurs de niveau 6 et on va se les tester ce soir. J'ai l'intention d'utiliser une potion d'entraînement et on va se tenir un défi. Regardez bien, on a présentement 100 000 élixirs noirs. Dites-moi dans les commentaires combien vous pensez d'élixirs noirs que je peux aller chercher avec une seule séance d'entraînement, avec une potion d'entraînement. Donc ma potion d'entraînement dure une heure. Et combien pensez-vous que je vais pouvoir aller chercher d'élixir noir avec cette potion? En ce moment, on va farmer 100 héros. Mon roi est encore en construction pour une journée. Ma reine pour 6 jours. Donc, par contre, on a le grand gardien de niveau 21. Donc, dites-moi combien vous pensez qu'on peut aller chercher en une heure d'entraînement. On va tenter de faire le maximum possible. Je viens de faire mon premier farm. Donc, on peut voir un 100%, 355 000 élixirs, 2903 élixirs noirs. Et là, je vais partir une potion d'entraînement. On repart des troupes. Et c'est parti, on attend une prochaine cible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer dans une heure mes meilleures attaques, et on va se faire la dernière attaque ensemble, et on va regarder combien d'élixirs noirs je suis capable d'aller chercher en une heure d'entraînement avec les mineurs 6, sans roi et sans reine. Alors, on se retrouve maintenant à la fin de mon heure de farm. Il reste seulement une minute à l'accélération. Ne vous inquiétez pas, on va regarder plusieurs reprises ensemble par la suite. Pour l'instant, je veux toujours vous cacher l'élixir noir auquel je suis rendu. J'ai hâte de voir s'il y en a qui vont avoir réussi à découvrir. Je vais avoir combien d'élixirs noirs en une heure. Mais pour l'instant, on va se faire une dernière attaque. Vous voyez, il reste 59 secondes. Donc, je prends un renfort, je trouve une bonne base et on se retrouve pour la dernière attaque de farm de ma période. Alors, on vient de tomber sur ce HDV11. On va tenter d'attaquer ça comme dernière attaque. Donc, on prend le démolisseur. C'est parti. On envoie l'ensemble des mineurs sur l'ensemble, sur la, toute la ligne. Ensuite, on va soigner sur... En général, j'utilise 3 sortes de soins sur la première ligne. Oh, j'ai oublié le grand gardien. On va commencer à utiliser une deuxième ligne. L'aigle artière est tombée, c'est parfait. Je pense qu'on va utiliser bientôt le pouvoir du grand gardien. Et voilà, on utilise... On est allé chercher l'ensemble de l'élixir noir. On pourrait presque arrêter l'attaque. Normalement, je vous dirais que j'utiliserai pas le dernier sort de soin. Et je vais quitter avant que mon grand gardien se fasse abîmer dans le but de réussir à lancer une autre attaque le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez, j'ai toutes les ressources. On n'est pas en GDC. Alors, on va quitter immédiatement. Mes réservoirs sont pleins de toute façon. Et voilà. Avant de vous dévoiler mon chiffre final, on va regarder dans mon journal d'attaque. Donc, on a commencé la farm il y a 1h08. Et vous pouvez voir que mon journal d'attaque contient seulement les attaques de mon farm actuel. Ça fait un total de 10 attaques. Donc, on va vous montrer quelques reprises. Donc, regardez ici, un magnifique 100% sur une base qui était, ma foi, pas top. Il n'y a pas d'aigle artilleur. Donc, on va lancer l'attaque avec le démolisseur. On envoie les sorts de soins, comme je vous dis. J'en utilise environ 3 sur le premier coup. Il y avait quand même un golem. Un golem, ça peut faire très mal aux mineurs. Il faut utiliser absolument un sort de soin. Le démolisseur réussit à se rendre en plein cœur de la ville. Donc, tout va bien pour le moment. On utilise un dernier sort de soin. Et on a un magnifique 3 étoiles. Donc, en farmant, c'est pas mal des genres de bases comme ça que vous pouvez rechercher. Des bases qui sont pas les plus difficiles, mais qui vous donne quand même un très bon rendement. On va passer à une autre attaque. Donc,
Regardez-moi ça ici. 77%, 2 étoiles qui nous donnent 6000 élixirs noirs. Donc, c'est une ville qui était morte au niveau des défenses, de plusieurs défenses. Par contre, l'égartière, lui, il était pas mort. Et donc, regardez ça. On n'a pas réussi à aller tout chercher, mais on est allé chercher beaucoup de ressources. Je pense qu'on est allé chercher l'ensemble des élixirs noirs. Donc, malgré que plusieurs défenses sont mortes, ça demeure une ville très difficile à prendre, un HDV12. J'ai vraiment hâte de voir quand toutes les défenses vont être maxées. Ça va être très difficile, mais en même temps, je vais enfin pouvoir voir mes héros à ce moment-là. Ça va être assez plaisant d'utiliser des héros 60. J'ai assez hâte de pouvoir utiliser ça. On va se faire des vidéos en masse de compos d'attaque assez évoluées. On va regarder la Giga Tesla en action. Elle est très dévastatrice. Boum! Et voilà, on est allé chercher l'ensemble de l'élixir noir. C'est bien parfait. Donc, on va se regarder un dernier gameplay et on passe ensuite au dévoilement du nombre d'élixirs noirs qu'on a pu aller chercher en 10 attaques. Donc, on vient dans mon journal d'attaque. On va aller voir une autre attaque qui a pu donner beaucoup d'élixirs noirs. Tiens, vous savez, on va regarder celle-ci. 75% une étoile sur un HDV12. Probablement que le HDV12 va avoir détruit toutes mes troupes. Regardez-moi le butin disponible. 7600 élixirs noirs. Donc là, j'ai remarqué que les foreuses étaient à l'extérieur. Donc pour commencer l'attaque, je pense que un petit archer ici. Et je pense un petit archer au nord. Et ça va aller. Ces deux archers vont aller nous chercher un max d'élixirs noirs. Environ 3-4000 élixirs noirs. Donc, on envoie le renfort. Ici, j'avais pas de démolisseur, donc ça va être un peu plus difficile. Mais tout de même, déjà, on a les 3 foreuses. Juste avec les 3 foreuses, on va chercher déjà 3-4000 élixirs noirs. Donc, c'est parti. On tente d'aller chercher le plus de ressources possible. Malheureusement, les troupes ne sont pas capables d'aller chercher l'aigle artilleur. Ça va faire vraiment mal. Là, bientôt, la Giga Tesla va rentrer en action. Là, on remarque que c'est un hôtel de ville de niveau 1, mais même au niveau 1, oubliez ça, tout ce qui va se rapprocher de l'hôtel de ville va mourir. Regardez-moi ça, ici, les troupes. Ils tentent d'attaquer, mais c'est vraiment fort, la Giga Tesla. Donc, l'attaque, malheureusement, va s'essouffler. On va aller au moins chercher des ressources à l'extérieur. Mais déjà, on est allé chercher 4120 élixirs noirs, ce qui est déjà très bien. Donc, êtes-vous prêt? Maintenant, je vais procéder au dévoilement. Combien d'élixirs noirs on a pu aller chercher? Eh bien, mesdames et messieurs, on est monté nos réservoirs à 160 000 élixirs noirs pour un grand total d'environ 60 000 élixirs noirs en une heure. Est-ce que vous êtes capable de faire mieux? Dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes capable de faire mieux que 60 000 élixirs noirs en une heure, dites-moi votre niveau d'HDV et c'est quoi votre compo d'attaque. Et je tenterai de le faire dans une vidéo. On peut voir que mes réservoirs d'élixirs et d'or sont complètement pleins, mais on doit attendre une journée et 5 heures avant que le roi des barbares ne soit débloqué. Donc, on va partir immédiatement le roi des barbares au niveau 54, dès qu'il va être terminé. On va se repartir 2 murs et ensuite, pour la prochaine construction, on va lancer le dernier camp militaire. J'ai déjà 3 camps militaires en construction. Il va me rester le dernier camp militaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un pouce bleu. Pensez à vous abonner et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.